Good morning, allez, Idan et Sutra, aujourd'hui, l'unique Shmat Richard, Ben Fortune Mazal, et Claude, Israël, Ben Fortune Mazal, si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sérat Beïta, Perek, Aleph, Mishnah, Hey, Meshalchin Kelim, Ben Tfourin, Ben She'enan Tfourin, Ve'a Falpi, She'yesh, Bahen Kil Aim, Ve'en Netzorech Hamoed, Avalo Sandala Mesumar, Velo Min Al She'enot Tfour, Rabbi Yehuda Omer, Af, Lo Min Al Lavan, ou plutôt, on expliquera pourquoi il faut lire comme ça. Et je commence par traduire, on parle de Meshalchin Kelim, on envoie des cadeaux. Soit, on a déjà dit à Yom Tov, on n'a pas le droit de on ne doit transgresser aucun des 39 travaux. Tous, même cuisiner, même porter dans la rue, même tout ce que vous voulez. Sauf que ce qui est nécessaire relatif à la fête, alors on a une permission de le faire si c'est pour un bien-être personnel, selon des règles qui sont définies un peu plus tard dans le Sefer Meïta, qu'on a le droit de le faire. En l'occurrence, par exemple, on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov si c'est pour cuisiner le repas de fête. On n'a pas le droit de cuisiner pendant Yom Tov si c'est pour le lendemain. On a le droit de cuisiner pendant Yom Tov si c'est pour un repas d'un juif qui célèbre la fête. Il célèbre la fête, mais on n'a pas le droit de cuisiner à Yom Tov pour un goy, puisqu'il n'est pas en fête. Lui, la Torah l'a dit, ou les vado, il y a selachem. Donc on a comme ça toutes sortes de permissions. Même si porter à Yom Tov, c'est pas comme Tov, on a le droit de porter. À Yom Tov, on a le droit de porter ce qui est relatif à la fête. Avec, d'accord, un champ assez large, mais ce qui est plus en rapport avec la fête, alors en théorie, on ne peut pas le porter. C'est le sujet, le fil conducteur un petit peu de tous les cas qu'on va découvrir dans la Mishnah. Concrètement, la Mishnah enseigne Meshalchin Kelim, on a le droit d'envoyer en cadeau, en fait, des objets à Yom Tov. Soit, je veux faire cadeau à mon voisin d'en face, traverser la rue, en lui envoyant, pour lui apporter, toutes sortes d'objets que je veux lui faire cadeau. Alors, la Mishnah me dit, Kelim, on traduit cette fois-ci pas en objet, en ustensile, mais plutôt en tant que vêtement, comme ce qu'on voit tout de suite dans l'exemple. Ben Tfourin, Ben Shenan Tfourin, qu'ils soient déjà cousus ou même s'ils ne sont pas cousus. Soit, je lui envoyais du tissu déjà prédécoupé pour faire un vêtement, mais qui ne pourra pas encore porter ben Yom Tov. Malgré tout, il y a encore une utilisation possible pendant Yom Tov, qui peut l'utiliser tel quel pour le poser, pour s'allonger dessus, ça va lui faire un petit matelas. D'accord ? C'est le principe. Vafalpi, Sheyesh, Ben, Kilaim, et c'est même s'il y a dedans du Kilaim, un croisement de lin et de laine. Mais malgré tout, Vehen Netzorech HaMoed, à condition qu'il y ait une utilité pendant le Chol HaMoed. C'est assez flou, et j'explique un petit peu mieux. Soit, en fait, la Mishnah vient me dire, je lui donne le principe directement, c'est tout ce que je t'envoie. Et c'est un principe qui va être contredit un petit peu avec la fin de la Mishnah. Elle est difficile comme Mishnah, et même dans l'Ancha, c'est assez compliqué à définir exactement. On parle d'envoyer des cadeaux pendant Yom Tov. Yom Tov, on a le droit d'envoyer des cadeaux d'abord, c'est un premier chidouche. On parle de ça, mais à condition que c'est des choses qu'on lui envoie, qu'il peut les utiliser pendant Yom Tov. D'accord, donc l'idéal, c'est que tu l'envoies des habits, là, c'est le top. Il peut le porter pendant Yom Tov, il va être très content, tu peux lui envoyer aussi à manger. Mais il y a une condition, que ce soit des choses qu'il peut en tirer profit tout de suite. Même si ce n'est pas le profit optimal de la chose, c'est là le chidouche. C'est-à-dire, je t'envoie un vêtement pour le porter. Si je t'envoie un vêtement qui est du tissu cousu, mais que pour le moment tu ne peux pas le porter, parce que pour le moment il n'est pas encore cousu. Mais tu peux en tirer profit tout de suite. Tu peux l'étendre sur une chaise dure, et comme ça, ça va ramollir, ça va matelasser, ça va être agréable pour se coucher dessus, par exemple. Alors donc, tu peux lui envoyer aussi des vêtements, mais ils ne sont pas cousus. Selon le même principe, dans la Lacha aussi, c'est dans Siman Taf Kuf Tetzaïm, dans le Shulchan Aruch, on rapporte que par exemple, tu veux lui envoyer des aliments, tu peux lui envoyer toutes sortes d'aliments, même s'ils ne sont pas encore cuits, ils manquent juste de la cuisson, parce que tu n'as pas le droit de cuire pendant Yom Tov. Mais tu ne pourras pas lui envoyer par exemple du blé, où il va falloir le moudre, parce que là, tu n'auras plus le droit de moudre pendant Yom Tov. Ouais, le blé, on n'a pas le droit de le moudre, et tout un... Donc du coup, vous avez compris le principe? Ce que tu peux en tirer profit, pendant Yom Tov, tu as le droit de l'envoyer, même si concrètement, quand tu vas l'envoyer des habits qui ne sont pas cousus, tu sais pertinemment qu'il ne va pas les mettre aujourd'hui, il va les garder pour demain, pour les coudre, pendant qu'il sera en chol, pour les coudre. Malgré tout, on ne voit pas ici que tu l'envoies quelque chose pour le chol, parce qu'il peut en tirer profit depuis tout de suite. D'accord ?
Donc, mais maintenant, le chidouche, il est même s'il y a dedans du kilaïm, c'est pas exact. On parle d'un kilaïm très spécial. Il parle que c'est un vêtement où il y a qui est un tissu très rêche, dur. Et dans ce cas-là, puisqu'il est un tissu rêche, alors tu as le droit de le poser pour t'asseoir dessus. S'il était plus mou, où il y a un risque que tu vas t'envelopper avec lui quand tu vas te coucher, tu n'auras pas le droit, parce qu'on a pas le droit de tirer du profit du kilaïm, du chatanèse. D'accord. Mais pour le moment, si c'est un tissu qui est épais, qui est rêche, que tu ne peux pas te couvrir avec, alors là, tu auras le droit de lui envoyer. C'est de ça qu'on parle. Ce qui dit le Bartenora, Tchen Kashin, Tchen Mechamimin. Ils sont durs et ils ne réchauffent pas. Donc, Moutar Nishka Valem, dans ce cas-là, tu auras le droit de te coucher dessus, dans ce cas-là, tu auras le droit de l'envoyer. Par contre, Avalo Sandal Amesumar, tu n'auras pas le droit de l'envoyer, par contre, un Sandal Amesumar. Une sandale, sandale, comme c'est écrit, mais Amesumar qui est clouté. Alors là, c'est une. Mais d'abord, je dis d'abord l'autre cas, c'est plus facile à comprendre. Velo min al shenotafo, tu ne pourras pas non plus l'envoyer une chaussure qui n'a pas été cousue. Soit, je t'ai permis le vêtement qui n'est pas cousu, mais je ne te permets pas de l'envoyer la chaussure qui n'est pas cousue. Pourquoi? Parce qu'un vêtement qui n'est pas cousu, tu peux te coucher dessus. Une chaussure qui n'est pas cousue, il n'y a pas assez de. Il n'y a rien à faire avec ça. Donc, si je te l'envoie, écoutez bien la définition exacte du problème, c'est que c'est rapporté dans la halakha. Si je te l'envoie, on voit bien que la seule utilisation que tu auras, c'est d'attendre demain, ce ne sera plus Yom Tov, pour le coudre. Pendant Yom Tov, je ne peux pas préparer pour le jour de Chol. Si je t'envoie quelque chose que tu peux l'utiliser aujourd'hui, alors je te fais un cadeau aujourd'hui pour que tu tires profit. Aujourd'hui, tu as profit du cadeau, tu peux d'ailleurs en tirer profit si tu veux te coucher dessus. Mais si j'envoie quelque chose que la seule utilité qu'il y a, c'est d'attendre demain pour travailler, pour en faire un travail interdit pendant Yom Tov, donc là, je suis en train, d'une certaine manière, de préparer du Yom Tov au Chol. Je porte pendant Yom Tov pour te donner quelque chose que tu as. Que l'unique fonction et utilité, ce sera pour le Chol, sans qu'il n'y ait aucun profit pour aujourd'hui, je prépare du Yom Tov au Chol. D'accord? C'est un peu. Dès qu'on arrive à la fin de la mission, vous allez comprendre pourquoi je tourne autour du pot. Maintenant, l'histoire avec le sandal à Mesumar, la chaussure cloutée. Alors là, c'est toute une histoire qui est rapportée dans le Sechat Shabbat, vous devez peut-être vous en souvenir. Il y avait le Enyotzin Besandal Amesumar Beshabbat, et aussi pendant Yom Tov, c'est la même chose. Il y avait une histoire, justement, à l'époque des Grecs, où les Juifs n'avaient pas le droit d'être Shomer Shabbat. Il y avait des Juifs qui étaient partis se cacher dans une grotte pour respecter le Shabbat. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la grotte, pitom, d'un coup, ils ont eu le sentiment qu'ils étaient espionnés, que les Grecs allaient les trouver. Et ils se sont dit, allez, on s'enfuit tous. On sort tous de là, ils ont voulu tous sortir. Il y a eu tout le monde est sorti un sur l'autre. Ils avaient justement ce jour-là des chaussures cloutées. Il y a plusieurs versions de l'histoire, en tout cas, une des versions qui dit que quand ils ont voulu sortir, ils se sont piétinés un sur l'autre avec les clous, et c'était un massacre. Ils sont tous morts, tout seuls. Sans qu'aucun grec ne les tue, c'est eux-mêmes qui se sont piétinés. Du coup, Chachamim a fait un décret en souvenir de cette histoire très triste, qu'à Shabbat et Yom Tov, on ne met pas des chaussures cloutées. D'accord ? Des chaussures. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est des chaussures cloutées, est-ce que des chaussures avec des crampons, est-ce que c'est plutôt comme ça la machmo de Rachid là-bas. Dans Shabbat, c'est plutôt que la chaussure elle-même, elle est rattachée avec des clous qui dépassent, je ne sais pas exactement quand. J'ai pas vu des photos. Mais voilà pour l'histoire avec le sandal à Mesumar, d'accord? Et voilà, donc finalement, tout ce que je t'envoie ici, ces choses-là, sandal à Mesumar ou Minal Shalotafour, c'est des choses que tu vois bien que tu ne vas pas les utiliser pendant Yom Tov, donc je t'envoie pendant Yom Tov pour les utiliser en Chol, c'est là le problème. Rabbi Yehuda Omer, Af lo min al lavan, mi penei shetzarich uman. Rabbi Yehuda nous dit que tu ne pourras pas non plus envoyer une chaussure blanche, pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'un professionnel, d'un artisan, pour l'atteindre. Soit le partenaire explique. On parle ici qu'on est dans un endroit où les gens ne portent pas des chaussures blanches. Les chaussures blanches, c'est qu'elles sont encore à l'état brut, elles ne sont pas encore prêtes. Puisqu'elles sont cousues, on ne les met pas à l'état brut, personne ne les met à l'état brut. De ce fait, la seule fonction de ces sandales, de ces chaussures, c'est quoi? C'est d'attendre demain pour les teindre en noir, ou pour les teindre de la couleur qu'on les teint, pour les mettre. Donc pour le moment, puisque ce n'est pas encore profitable, tu ne peux pas encore en profiter pendant Yom Tov. Donc de nouveau, je prépare du Yom Tov pour le jour de Chol. Et la Mishnah me finit avec une généralité très problématique. Mais je traduis. Zéakla, telle est la généralité.
et je coupe mal la phrase. Kol shenotin bo, toute chose qu'on en tire profit. Beyom tov, ayom tov, meshalchin oto, on l'envoie. On pourra l'envoyer, le faire cadeau pendant yom tov. La phrase, elle peut être lue de deux manières. Une qui serait plus logique de la lire, kol shenotin bo beyom tov, meshalchin oto, tout ce que tu peux en tirer profit pendant yom tov, on peut l'envoyer. Ça, ce serait apparemment comme ça, ce serait le top. D'ailleurs, celui qui a ponctué ma Mishnah, il a ponctué de la sorte. Je ne sais pas quel texte vous avez sous les yeux. En tout cas, comme ça, il a ponctué. Kol shenotin bo beyom tov, meshalchin oto. Seulement, la Gemara explique que ce n'est pas comme ça qu'il faut lire la Mishnah. On parle là, on est venu inclure même un cas particulier, qu'on veut lui envoyer des tfilines pendant yom tov. Donc, tu as le droit de faire cadeau des tfilines à yom tov, mais comme ça que les tfilines ils soient prêts à être mis. Même si pendant yom tov, on ne met pas les tfilines. Le Rambam écrit même à sourd de mettre des tfilines pendant yom tov. On a le droit malgré tout de les déplacer, premièrement. C'est pas moukhtse, c'est un traumata des chaînes, entre parenthèses. Et en plus de ça, puisque c'est quelque chose de fini, alors tu as un profit pendant yom tov depuis tout de suite, c'est que tu lui fais un cadeau. Quand tu lui envoies cette chose-là, on ne voit pas que tu lui prépares le terrain pour le yom tov. Tu lui fais cadeau tout de suite de quelque chose qui ne pourra en tirer que pendant le jour de Chol le lendemain. C'est vrai, parce qu'il ne va pas les mettre pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce que tu fais, c'est que tu fais un cadeau, et c'est là le chidouche. Même si c'est quelque chose que concrètement, tu ne peux pas en tirer profit tel quel en état, mais puisque tu n'as plus de préparation à faire, tu n'as plus besoin de finir l'objet pendant Yom Tov, alors tu as besoin de finir l'objet pour qu'il soit métable pour Yom Tov, pour Chol, donc on ne voit pas que tu es en train de préparer aujourd'hui du travail pour demain. Notre problème, en fait, il est que tu prépares, que je t'envoie quelque chose pendant Yom Tov, que la seule fonction de la chose, c'est de le travailler pour le finir demain. Là, c'est notre problème. Il faut forcément, pour pouvoir casser ça, il faut que tu puisses en tirer profit aujourd'hui. Mais quelque chose qui est un objet complètement fini, même si aujourd'hui tu ne peux pas en tirer profit, tel quel, mais il n'y a plus de travail à faire pour le... Il n'y a plus à l'achever pour qu'il soit utilisable. Il est métable tel quel. Dans ce cas-là, je peux te l'offrir pendant Yom Tov, même si tu ne vas pas... en tirer profit pendant le temps, parce que tu n'as pas le droit pendant le temps d'en tirer profit. Je t'ai fait un cadeau, je t'ai pas préparé le terrain pour demain. En théorie, je sais pas, j'ai pas envie de m'aventurer dans des halakhot, mais je pourrais illustrer ça avec quelque chose de plus concret. Un beau stylo. Un beau stylo en or, Cartier, Mont Blanc, ce que vous voulez. Tu veux lui faire cadeau pendant le temps. Ben, apparemment, je m'engage pas, ouais, ne déduisez pas des halakhot de là, mais en tout cas, tel que ça sort de la Mishnah, ben, ça sort qu'en fait, je peux lui faire cadeau pendant le temps, ce stylo. Hey, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce stylo? C'est un cadeau. Je tire profit pendant Yom Tov de te faire un cadeau. C'est un cliché martelé sourd, c'est vrai, tu peux en dire, mais en soi-même, c'est un cadeau que je te fais aujourd'hui. Donc je te le fais cadeau. Et si, mais par contre, si c'est je te fais quelque chose, par contre, si je te fais cadeau un objet qu'il faudra le finir pour le lendemain, alors là commence le problème que, en fait, le cadeau que je te fais pendant Yom Tov, c'est pas un cadeau que je te fais. Je te prépare le terrain pour que tu travailles demain. Là, tu es en train de préparer de Yom Tov au jour de Chol, d'accord? C'est le principe de la Mishnah. C'est une Mishnah qui est très délicate dans l'Halakha. Aussi, regardez Siman Taf Kuf Tet Zayin dans les Hilchot Yom Tov. C'est assez compliqué à définir exactement c'est quoi le fil directeur qui nous permet, qu'est-ce qu'on a le droit de déplacer, d'offrir en cadeau, qu'est-ce qu'on a le droit d'offrir en cadeau pour Yom Tov. Pour notre propos, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'Hatzlacha, tout cela.